As mission director of this VA-252 flight, I'm in charge of the organization and management of the launch campaign of our two co-passengers from their arrival in French Guiana until the launch and injection in orbit. The launch campaign started on the 6th of January with the arrival of the lower satellite, GEOCAMSAT 2B, at Cayenne-Félix-Éboué Airport and its transportation to the S5C preparation payload facilities. Standalone activities were performed until the 24th, day of its transfer to the hazardous payload facilities S5B for the propellant loading operations. GEOCAMSAT 2B was fueled without any anomaly until the 1st of February. The arrival of the upper satellite JC-SAT-17 at Félix-Éboué Airport was on the 16th of January, in the morning of the successful Ariane Space previous flight VA-251. It was immediately transported to the S5C preparation payload facilities. The fit check started with its flight adapter right after on the 17th. Then, JC-SAT-17 carried out its health checks until the 25th, day of its transfer to the hazardous payload facility, S5A. It performed there the propellant loading operations without any issue. Je suis le chef des opérations en centre de lancement pour cette campagne VA-252. Je suis donc responsable de toutes les opérations d'assemblage, de contrôle et de préparation au lancement de ce lanceur Ariane 5. La campagne lanceur a démarré le 8 janvier pour les opérations d'intégration et de contrôle dans le bâtiment d'intégration lanceur. Le lanceur a ensuite été transféré au bâtiment d'assemblage final le 30 janvier. Les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace et des industriels Sol, représentant environ 300 personnes, ont ensuite travaillé intensément pour tenir le planning de ce lancement Ariane 5 en version ECA. Chaque jour, une réunion d'avancement avec les responsables industriels de la campagne permet de passer en revue les opérations de la journée et celles prévues le lendemain. Cette réunion permet aussi de traiter rapidement les éventuelles difficultés rencontrées dans la journée. Combined operations plan with launcher has started for JC-SAT-17 on Monday the 3rd of February with the flight adapter onto its payload adapter. It has been transferred the day after to the launcher assembly building called the BAF, hoisted onto the Silda 5 and encapsulated under the fairing on the 6th. GEOCAMSAT 2B entered the combined operations plan on the 5th by the flight mating onto its payload adapter. The satellite was then transferred to the BAF, hoisted and mated to the launch vehicle Ariane 5, waiting for the arrival the day after of its co-passenger. On Saturday the 8th, the upper composite with GC-SAT-17 encapsulated GEOCAMSAT 2B already seated on the launch vehicle. La revue d'aptitude au lancement nous a autorisé vendredi à réaliser les opérations finales et à transférer le lanceur en zone de lancement à J-1. Et donc désormais, ce sont les opérations de préparation de la chronologie qui vont être déroulées pendant 48 heures. La séquence synchronisée, à partir de H0-7 minutes, enchaîne toutes les opérations de façon automatique jusqu'au décollage.